Bonjour, voilà, aujourd'hui pour une petite vidéo, pour vous montrer trois couteaux que je suis en train de faire. Il y a le grand ici, hein, ça va être un grand couteau de camp. Hein. Il est fait 38,5 cm de tranchant, il va faire 23 cm de tranchant. Il a une épaisseur de 5 mm d'épée. Hein. Voilà, il ici, il est fait 5 cm et 5 mm d'épaisseur. Ça, c'est un acier en lame de ressort. Celui-là est déjà percé ici pour après mettre les plaquettes jusqu'ici et après laisser le trou pour la dragonne. Voilà, ici je vais faire une trempe sélective et je vais le faire pour les miroirs, quoi que le tranchant. Après le restant, je vais le laisser comme ça en brûle forge. J'aime bien. Après, j'en ai un autre petit là comme ça. Je suis en train de faire. Voilà, celui-là il fait 20 cm et demi. L'acier ici, c'est un acier de 3 mm, 4 mm d'épaisseur. Voilà. Et là, il fait 4,5. Voilà. Il y a celui-là. Et après, j'ai un autre. Je suis en train de faire un autre. Voilà. Et lui, il fait 19,5 cm pour un tranchant, quoi, de 8,5 cm. Et la lame ici, elle fait 4,5 cm. Voilà. Aussi, ça c'est. Les deux petits couteaux-là, c'est un acier d'une lame d'une tondeuse à gazon. Voilà. Par contre, après, je vais faire une trempe intégrale dans les deux. Et je vais faire un poli miroir que le tranchant, le restant, je vais le laisser pour une forge. Comme ils sont là, comme ça. Voilà. Tout bien propre hein, après, mais je laisse comme ça. Voilà, les amis. Pour cette petite vidéo, trois couteaux, je ferai après une vidéo pour chaque couteau. Quand ils seront finis avec les manches et tout. Allez, à la prochaine.